Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du multijoueur de la version alpha de Call of Duty Vanguard qui sortira le 5 novembre 2021. On est sur PlayStation 5. C'est l'exclusivité pour le moment PlayStation, en gros PlayStation 4 et PlayStation 5. Comme vous pouvez le voir, je suis level 1 et avec moi, j'ai le grand, le très grand RSC Flo qui va m'accompagner parce que lui, il adore les Call of Duty, il m'a proposé de jouer. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire une petite découverte et pourquoi pas rec après la découverte et de vous faire un petit best-of des meilleurs moments ou des pires moments, parce que des fois les meilleurs moments peuvent être aussi les pires actions. Dans cette alpha, on a deux modes de jeu, c'est le champion de la colline. De toute façon, juste après le blabla, vous aurez une cinématique qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais en gros, il faut tous les défoncer. C'est un mélange de multijoueur et de Warzone, vous allez voir ça, et c'est jouable en duo ou en trio. Là on est deux, du coup on va faire ça en duo. N'hésitez pas, si vous aimez Call of Duty ou si vous aimez moi, de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, merci à vous, et de me dire ce que vous pensez du jeu. Allez, sans plus tarder, et ben on est parti. Parfois une mission se présente. Ça peut être stopper un psychopathe, gagner une guerre, ou même sauver le monde. Et c'est là qu'on fait appel aux professionnels. Ils font ça bien. Ils font ça vite. Ils font ça violemment. Parce que là, où il y a une mission, il y a des professionnels pour la remplir. Bienvenue dans Champion de la Colline. On est tous là, on se regarde, on voit sur qui on va tirer le premier. Mais non, ça se passe pas comme ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Je vous fais cette présentation et après je prendrai la meilleure partie que je vous aurai fait en une demi-heure, une heure de jeu, pour que vous puissiez voir une partie qui est pas trop dégueulasse. Vous inquiétez pas, c'est si vous voyez Baker, on va peut-être pas être les Baker. Alors, vous voyez tous ces ateliers? Eh bien, c'est un peu comme Warzone, comme les anciens Call of, je crois que c'est World War 2. Eh bien, ici, vous venez, vous prenez l'arme que vous voulez, d'accord? Ensuite, si vous avez besoin de, je sais pas, de grenades, d'équipement, de soutien, l'armure complète, les plaques d'armure. Vous voyez les plaques d'armure un peu à la Warzone? Hop, j'ai pris les plaques d'armure, ça pourrait être bien. Et par exemple, ici, vous pouvez avoir les atouts. Si vous voulez avoir tracker, pas de course, fantôme ou n'importe quoi, c'est possible. Et ça commence dans moins de 15 secondes. Notre but étant de rester le plus longtemps en vie, on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. C'est parti, nous sommes les Bakers pour l'instant, et on va affronter l'équipe Ho. Voilà, tout simplement. Bienvenue dans Champion de la Colline. Éliminez toutes les équipes pour l'emporter. Merci beaucoup. Je lance la petite greu. Toujours une petite grenade préventive. Ça fait pas de mal. Je crois qu'ils sont partis complètement de l'autre côté. Ouais, je l'ai vu, hein. Ça, c'est un peu comme le mode escarmouche, c'est-à-dire qu'il faut pas... Faut pas trop se donner, parce que si tu te donnes, bah... Les adversaires, ils vont te pourrir. Et ça, je l'ai très très bien compris. Ah, c'est bon, je l'ai en pleine tête. Tout va bien pour l'instant. On a fait 2 kills. Non, non, non! Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Je me cache là, c'est... Ah oui, okay, ça se détruit. J'étais pas au courant. Et boum. Tout va bien. C'est bien. Franchement, pour l'instant, c'est très bien. On a perdu une vie. C'est pas moi pour une fois. J'ai pas été trop dégueulasse sur le coup. Et on va affronter Fox. Ok. Vous avez compris le principe? Oh là là, oh là, ok. Après, je connais pas les maps. Je sais pas si on peut... pas dire spawn kill, mais toi, genre, tuer dès le début, etc. Je n'y connais rien. Ça, je peux pas vous dire si c'est intéressant. Ah non, d'accord. Il est là, donc c'est pas ici. Après, il aurait fallu peut-être que je fasse des petites parties avant. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais l'attendre, lui. Je vais l'attendre, je vous le dis.
Ah, il a voulu... Il a voulu m'attendre quand même, hein. Oh là là là. Vous avez 10 secondes. Ouais, 10 secondes. C'est bien, c'est bien. C'est rien de trop se donner. Là, on est en mauvaise passe. Enfin, des fois, il faut être très sécure. C'est que... C'est vrai que dans le multi, moi, j'ai l'habitude de foncer, tu vois. Genre, moi, je m'en fous de me faire tuer. Je veux m'amuser. Là, c'est... Limite, c'est ta vie. Ta vie, elle compte. C'est très important. Voilà. Ouh ! Je sais pas ce que je viens de recevoir, là. Peut-être qu'il faudrait... Que j'aille plutôt de ce côté-là. Plus intéressant de partir ici. J'ai l'impression que le côté droit était un peu... Il faut oublier. Alors, voyons voir. Et let's go, let's go, let's go. Je fais une petite percée. Tranquillement. J'entends des bruits. Du coup, si j'entends, eux aussi entendent. Mais où est-ce qu'ils sont ? Secondes. Et voilà. Ah mais oh. Pour qui tu te prends ? L'équipe Rao n'est plus de ce monde. Viens. Non, non. Je prends mon temps, ça sert à rien. Là, on est bien. On est très très bien. On est la deuxième meilleure équipe. On peut le faire. Là, je vous dis, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième partie qu'on fait. La deuxième ou troisième. Ça devrait être bon. Utilisez. Et là, c'est le moment, justement, d'acheter des armes, par exemple. Je connais pas les armes, donc je vais garder comme celle-ci. Et surtout, si possible, acheter... Attendez, est-ce que c'est ici? Non. J'ai besoin... Voilà, des plaques d'armure. Vous avez pu voir que c'était quand même très intéressant. Il reste 10 On va secondes. Acheter aussi... Je vais acheter fantôme. Voilà. Je pense qu'on est bien. Et une petite vie supplémentaire. Parce qu'on a les moyens, on achète. Allez. J'ai acheté la petite vie supplémentaire. Ça mange pas de pain. On verra. Let's go. On peut le faire. La petite grenade qui mange pas de pain. Je l'ai vu, il m'a vu. Est-ce qu'il va rester là? Ah oui, par contre... Ouh! Heureusement que j'ai les plaquettes. Je l'ai vu. Il m'a pas vu. C'est le moment. Mais est-ce que je suis trop parti en confiance là, peut-être? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est? Ouais, bah bien joué ça. Ça a fait un kill, ça s'est fait tuer juste derrière, mais... J'avais 10 secondes. Ah non, non! Ah, je me disais! J'entendais des pas, mais je sais pas d'où ça venait. C'est dommage. Au moins, c'est pas trop mal. Au final... Prenez leur vie. Bon, on est toujours à 8. C'est très bien. On est... Voilà, vous voyez, on est premier pour l'instant. Comme ça, c'est juste la découverte. C'est pour vous montrer un petit peu le mode de jeu, comment ça se passe. Et après, je vous ferai, dans le pire des cas, une vidéo best-of. D'accord? Oh là là. On va pas dire que c'est de la chance. Comme du shoot. Oh, je l'ai quand même eu, hein. Je l'ai quand même eu. Oh non, je vais recharger, c'est dommage. C'est dommage. Oh, bien joué, ça. N'oubliez pas de souffler un peu. Une mission rondement menée. Bien joué, ça, mon gars. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Du coup, on a éliminé l'équipe. Voilà, je récupère l'arme. Je sais pas ce qu'elle a de plus. Ah oui, il y a le viseur qu'on avait pas tout à l'heure. Oh, bah nice. La vie supplémentaire. Ah, merci, voilà. Bien joué, gars. Bien joué, ça. Oui, c'est un peu... C'est... Comme je vous l'ai dit, c'est un mélange de Warzone et de multijoueur, escarmouche, tout ça. Donc là, on est très très bien, logiquement. Après, faut pas déconner, vous savez que perdre des vies, ça peut aller très très vite. Donc là, on va affronter quelle équipe? Ah. Ça serait bien qu'on n'affronte pas Easy. Mais je sens qu'on va les affronter. Qui est-ce qu'on va affronter? Attention, on va affronter l'équipe Charlie. On peut les éliminer. Oh
Alors, je suis tendu. Tendu comme un string. Oh non, je l'avais. C'est dommage que j'ai une mitraillette. Ah oui, c'est facile de dire ça. Hein. Mais avec une mitraillette, c'est pas évident. Il reste 5 vies. Non, je savais, je le savais. Je le savais, non. Et il faut qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il reste plus que 4 vies. Oh ouais, il nous reste peu de vie. On va rester focus. Je suis bloqué. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est bien joué ça. Allez, ça sert à rien d'aller trop loin. C'est bon. On avait très très mal commencé cette game. Et sur la fin, on a fait 2 kills. Moi, j'ai une petite fenêtre. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Par contre, vous voyez que Easy, eux, ils étaient très bien. Après, c'est toute une stratégie de jeu comme ça parce que... Bah là, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Une vie supplémentaire. On a l'argent pour. Les plaques. Et pourquoi pas un avion espion. Je sens que c'est maintenant qu'il faut tout donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi ça ? Votre vision émet des pulsations qu'un ennemi hors champ. Mortel supplémentaire. Oh, tu sais quoi ? Il me faut ça. C'est bon, arrêtez de me tirer dessus là. Je suis un peu sous pression. On n'est pas aussi bien qu'on devrait l'être, mais au moins on arrivera quasiment en finale. Et ça, voilà. Je vais tirer dessus, je vais pas réussir à le fumer comme on dit. Oh non ! Ah mais avec une arme comme ça, c'est pas possible. Voilà, premier sang les gars. C'est bien ça, une assistance. Ah, il m'avait vu. Je pensais que ça passerait. C'est cette équipe en plus qui est contre nous là. L'équipe George a été éradiquée. Il vous reste plus que 4 vies. Il nous reste 4 vies. Non. Vous avez 10 secondes. Non. Allez, allez. On peut le faire, on peut le faire. Prenez leur bien joué ça, bien joué. Ça qui est beau. On peut le faire, on peut le faire. Ah, je vous dis que j'ai la pression. Et je pense que Flo a la pression avec moi. Enfin, on se parle pas, on communique pas, dites-vous. Hein. Par contre, ça c'est la map que j'aime le moins. C'est là où je suis le plus flingué, généralement. Mais c'est pas grave. Oh non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas forcément d'accord avec ce qui vient de se passer. J'étais sûr... Attention, plus que 3 vies. De lui avoir tiré dessus. Oh non. C'est bien ça. C'est bien ma main. Let's go. On peut le faire. Là c'est la guerre. C'est la vraie guerre. Attention de ne pas se faire flinguer de ce côté-là. Je sens que ça va arriver par ici. Ou ça va nous... Nous back, on va rien comprendre. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Ça s'arrête là. Bien joué ça. Vous avez fait un sacré boulot. Bien joué ça. On a battu l'équipe. Easy. Prenez leur vie. Alors là, c'est l'équipe Charlie. Au niveau de la côte, logiquement, ils sont plus hauts. Mais ça devrait utilisez le faire. Les stations de dernier moment. Pour récupérer ce qu'il faut. Eh, c'est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Tracker. Non, ça me sert pas à grand-chose. J'avoue, avion espion, je crois même pas que je l'ai utilisé. Bah ouais, tout à l'heure, j'ai acheté un avion espion. Mais je crois que je l'ai même pas pris. Non, non, non. Allez, c'est parti. Au moins, on est en finale. Let's go. C'est pas grave. Si on perd, on peut se dire qu'on a fait une... Très très bonne game pour un mec comme moi qui suis level 1. Non mais je pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger, j'étais bloqué. Non, ça c'est une vie perdue bêtement. Il vous reste plus que 4 vies. C'est pas grave, c'est pas grave.
Voilà. Ça peut toucher ça. Ah bah je te jure. Je bougerai pas beaucoup. Alors comment on lance les... Je l'ai vu, il m'a vu. Oh non, il... Ouais, il l'a dit, ça se voit qu'il communique. Ah ouais, t'as vu comment ils sont cachés? Moi je me dis que je campais, mais au final... Attention, plus que 3 vies. Je campe pas tant que ça finalement, quand je me compare à eux, tu vois. Oh non. C'est la panique, je suis désolé. Oh là. Comment ça se passe? Vu que nous on a 3 vies. Bon, peut-être que ça va arriver, ouais, faut faire gaffe. J'ai une petite plaque, ça c'est bien. Oh non! Ah, vous avez vu le souci? Ah, ils sont vraiment cachés jusqu'au bout, hein. Plus ça, j'avoue, enfin. Faites attention! Après ça, quand c'est trop comme ça, tu vois, c'est... Ne la gâchez pas. C'est pas trop mon style. D'être trop caché. Vous avez 10 secondes. De toute façon, on est devant, ça sert à rien de se donner. La logique veut qu'on les gagne. À égalité. Mais on a une vie devant. Pour moi, la logique veut qu'on les gagne. Il nous reste une vie et eux zéro. Donc, comment ça se passe? C'est chelou, non? Bah, armure complète. Ça, c'est clair et net. De toute façon, j'ai plus d'argent. Il n'y a plus rien. Mais ouais, moi je suis pas d'accord. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas avancé. Je me suis dit, bon, on va rien faire de particulier. Bah oui, ça se cache. En fait, c'est limite, ça reste comme ça et ça attend d'avoir l'espace. Donc, mais comment ça va se passer du coup? Les deux vont être là? Je me demande. Là, c'est peut-être des trucs à améliorer, tu vois. Oh là là. J'aime bien le côté droit plutôt que le côté gauche. Pas vous mentir. Après, ils ont dû prendre des snipers. C'est sûr. Ah, c'est moi, j'ai vu quelque chose bouger. À part si c'est un élément du décor. Ouais, je pense que ça... Ah d'accord. J'ai vu. Heureusement... Tout repose sur moi. Ce qui est très mauvais généralement. Que je plie sous la pression. Non ! C'est dommage. Je l'avais. Je vais tirer dessus. Oh, sauf qu'il avait la bonne arme. C'est dommage. On arrive en final. Mais moi franchement je suis déçu. Parce que j'étais sûr. Vous voyez là, je vais tirer dessus. En plus, il a loupé son tir. Hein. Il avait loupé son premier tir. Bien joué à eux, bah j'ai pas eu leur pseudo pour leur dire félicitations. Au moins vous avez une partie qui était très divertissante et très serrée jusqu'à la fin, en espérant que ça vous ait plu. C'était la découverte du mode alpha, du mode le champion de la colline sur Call of Duty Vanguard. On se retrouve très vite, pourquoi pas, sur de nouvelles vidéos sur le jeu. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!